Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message bien de cette semaine. Nous sommes le vendredi 2 juin 2023. On termine, n'est-ce pas, ce mois avec ce magnifique oracle de la voix des âmes. Dites-moi ce que vous en avez pensé de tous les tirages journaliers de ce mois de mai avec cet oracle. Est-ce que cet oracle vous a plu? Est-ce que ça vous a fait avancer? Ça vous a fait réfléchir? Ça vous a fait prendre conscience de certaines choses? Voilà, dites-moi en commentaire. Alors, avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Et aujourd'hui, eh bien, on termine la semaine avec colère. Ton âme te dit aujourd'hui, il y a une colère qui parasite tes énergies. Et vous savez, quand on est dans cette énergie de colère, c'est très négatif, n'est-ce pas? La colère peut engendrer de la haine. Et évidemment, ce n'est pas bon pour notre cheminement. Cette colère, eh bien, elle perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Vous savez, quand on est en colère, quand il y a quelque chose qu'on ne digère pas, eh bien, le chakra sacré, il en prend un coup aussi. Hein. Il n'y a pas que le chakra du cœur. Hein. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. C'est juste l'impression que tu as. Tu peux avoir l'impression que, eh bien, que les autres ne te comprennent pas. Et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour, eh bien, pour tout simplement te bloquer. Tu sais, il faut que tu saches quand même que le monde extérieur n'est pas ton ennemi, n'est-ce pas? Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne. Elle ne date pas d'aujourd'hui et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors, eh bien, libère-toi de cette colère. Libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi. Et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi. C'est en étant, eh bien, dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors, s'il te plaît, je te le demande, libère-toi de cette colère. Elle n'a plus lieu d'être. Laisse partir cette colère. Tes guides, il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer. Il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis, je te demande de réfléchir au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument, elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités.
Cette colère est le reflet, eh bien, de ta frustration de ne pas avoir assez le temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors, crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être, eh bien, à l'écoute de son enseignement, et ensuite, eh bien, tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. L'entité te dit, j'ai été longtemps en colère et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'était une colère qui se transmettait de génération en génération. Cette colère était devenue, eh bien, une évidence et une habitude de vie et de réaction. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, eh bien, je me sentais vulnérable. Elle a été ma carapace. Mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très beaux moments. Je peux aussi ressentir ta colère vis-à-vis de moi. Cette émotion, eh bien, nous unit, mais elle peut aussi perturber notre communication. Aujourd'hui, j'en suis libérée et je te conseille de trouver sa source pour en faire tout autant. Et c'est ainsi que les échanges seront plus fluides et plus doux. Et dans le fond, tu mérites tellement, tellement la douceur. Je l'ai à peine touchée du doigt, la vraie douceur, la véritable. Ne fais pas comme moi. Sois doux, douce envers toi et accepte celle des autres. Tu le mérites vraiment. Voilà, nous terminons avec un beau message, hein, sur la colère. Quelque chose qu'on doit travailler, n'est-ce pas? Tous ces messages de ce mois, c'est mettre en évidence les choses qu'il faut transcender en nous. Et encore une fois, c'est un très bel oracle. Je termine avec les guérisons, la guérison des 5 blessures. Et aujourd'hui, j'ai pigé abandon. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante ou confiant, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimée ou de me retrouver seule et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Et bien voilà, ce mois de mai est terminé, cette semaine est terminée, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, un excellent week-end dans cet amour inconditionnel. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, je vous embrasse, mais tout fort. À tout bientôt.